Si vous voyez un jour que cette série s'arrête brutalement, c'est que je n'aurai plus d'argent pour la réaliser. Hello, on se retrouve à nouveau pour dépenser tout mon argent sur un site de luxe. Comme tu l'auras vu dans le titre, aujourd'hui j'achète l'article le moins cher chez Dior. Première chose, c'est que aujourd'hui je toucherai pas au maquillage et au parfum pour corser un petit peu la vidéo. Et deuxième chose, c'est que à la fin de cette vidéo, il y a un concours pour te faire gagner l'article de chez Dior que je vais recevoir dans cette vidéo, que je vais commander. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir comment participer. Et avant de commencer la vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner, ça me fait trop plaisir, on est de plus en plus sur la chaîne, franchement je vous remercie pas assez, vous êtes juste géniaux. Et puis n'hésite pas non plus à me suivre sur Instagram. Et puis voilà, c'est parti avec la vidéo. Je vais donc me décaler comme dans quasiment toutes mes vidéos. Comme d'hab, tu vas pouvoir suivre tout ce que je fais juste ici. Et moi je vais me connecter sur le site de Dior. Je sais pas si j'ai déjà acheté chez Dior, je m'en rappelle pas. Ça va être trop cool, Dior c'est une marque que j'aime beaucoup 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 beaucoup. Et donc je vais aller dans la catégorie femme pour voir qu'est-ce que je peux bien trouver. On va commencer par le prêt-à-porter. Je vais dans la catégorie donc t-shirt, parce que je pense que les t-shirts, enfin je dis je pense que les t-shirts, mais en soi chez Balenciaga un t-shirt c'est 300€. Donc on va voir qu'est-ce que je peux trouver dans les t-shirts. Je regarde si on peut filtrer. Et donc bien sûr, comme je m'y attendais, on ne peut filtrer que par couleur, par taille ou par saison et pas par prix. Ah, rajoutez le filtre prix s'il vous plaît, les marques de luxe qui regardent cette vidéo, si vous regardez cette vidéo, les stagiaires même chez les marques de luxe, s'il vous plaît dites-leur de rajouter le filtre prix, parce que si t'as pas les moyens de t'acheter l'article, tu vas, on va chercher, on va le trouver l'article moins cher, donc mettez les filtres. Quand j'arrive dans la partie t-shirt, je vois ce t-shirt à 980€, c'est énorme juste pour un t-shirt, c'est vraiment beaucoup. C'est un t-shirt qui est quand même extrêmement simple, on va regarder les détails. On dirait qu'il y a comme des fils en fait qui pendouillent du t-shirt. Franchement c'est pas terrible. Vite sortir de ces t-shirts. On va essayer de trouver quand même l'article le moins cher. Alors j'ai trouvé une technique plus simple en fait. Je suis allée carrément dans tout le prêt-à-porter. C'était 10 fois plus simple. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça depuis le début. Et l'article le moins cher c'est ce short en soi. Je sais pas ce que t'en penses. On dirait un peu un short de sport. Je suis un peu surprise. Je le trouve pas très très beau en fait ce short. C'est un short qui est matelassé. Je pense que ça doit être un short d'été. Mais en tout cas il fait 680€. C'est quand même énorme. Donc bon, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, moi je suis pas trop fan. Je m'attendais un petit peu à mieux comme produit parce que Dior j'ai vraiment cette image de la marque qui est vraiment très luxueuse, très douce, etc. Très féminine aussi surtout. Et c'est vrai que ce short il est pas terrible, apparemment il va avec un ensemble, tu sais, avec une veste aussi matelassée. Oh là là, le site de Dior c'est vraiment une galère, enfin le fait qu'il n'y ait pas les filtres et puis c'est compliqué je trouve au niveau des produits. En fait je crois que l'article moins cher c'est plutôt ça, c'est ce t-shirt Lucky, vraiment tout simple à 580€. Et je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais je trouve que cet article il est vraiment hyper simple quoi. Donc voilà. Ah, j'ai trouvé un t-shirt plutôt mimi. C'est un t-shirt en coton et en lin, mais là j'aime bien le motif, tout ça, j'aime beaucoup, ça fait un peu jungle, non? C'est la jungle dessus, c'est trop beau. En fait ça fait un style un peu imprimé et en même temps jungle. Oh, je suis trop fan. C'est dommage qu'il soit aussi cher. Il existe aussi en bleu de ce que j'ai vu, mais il est, oh j'aime trop, j'aime vraiment trop. Juste comme ça, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais moi j'aime beaucoup, j'aime bien le fait qu'il y ait une jungle comme ça dessus et le fait que ça fasse un peu imprimé ancien. Ça j'aime énormément. Dessus c'est écrit Dior Rodeo, donc en lettres un petit peu imprimées. Je trouve que ça c'est un t-shirt qui est travaillé. Ça justifie toujours pas le prix. Bon, maintenant on va aller explorer la partie sac parce que c'est quand même ma partie préférée. Et faut quand même qu'on reparte avec quelque chose de cool. Et comme vous le savez, en général c'est plutôt dans la partie porte-carte, mais aussi dans la partie accessoires, les foulards et tout ça, qu'on peut trouver un truc intéressant. Donc on va aller dans la catégorie sac et on va taper tous les sacs. Et franchement j'aurais tellement aimé qu'il y ait des filtres sur ce site, oh là là. Donc voilà, donc là je vais regarder un petit peu les sacs. Et alors, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais je sais pas pour vous, mais ce sac, au début je le trouvais horrible et maintenant je le trouve magnifique. Alors pas la version qu'on voit partout sur Instagram avec le Christian Dior en motif, etc. Ça je suis pas trop fan, je trouve que ça fait vraiment old school, ça fait vraiment à l'ancienne. Et là, cette version là, avec le D au bout et la forme, je trouve ça magnifique. On dirait une œuvre d'art ce sac, quand j'en parle je suis émue. Donc c'est le mini sac saddle en veau, je pense que vous avez déjà dû le voir sur Instagram. Et il fait 2100€, c'est quand même énorme. Mais vous connaissez mon amour pour les sacs, oh my god, il est vraiment magnifique. Je pense que vous avez vu hein, que c'est un petit peu à la mode cette vague comme ça. Louis Vuitton aussi a fait un modèle de sac comme ça. Il avait appelé ce modèle New Wave. Il y avait aussi des chaussures de chez Louis Vuitton qui avaient aussi cette vague là. Donc c'est très à la mode. Et je pense aussi qu'avec cette série de vidéos, vous allez vous rendre compte que dans le luxe, c'est exactement comme dans la mode en général. Tout le monde se copie
genre les sacs à la mode tendance du moment, tu vas les retrouver chez Louis Vuitton, tu vas le trouver chez Hermès, tu vas le trouver chez... En fait, en gros, la seule chose qui différencie une marque de luxe de l'autre, maintenant, c'est son histoire et puis ses modèles iconiques. Mais les modèles passagers comme ça, je trouve que tous, ils font un peu la même chose. On retrouve l'abeille chez Dior, on la retrouve aussi chez Gucci. Les identités ont tendance à se mélanger maintenant, c'est la seule chose que je trouve dommage. J'ai trouvé un article, je suis assez surprise, je m'attendais pas du tout à trouver ça sur le site de Dior. Je vais pas vous spoiler, j'ai trop hâte de le recevoir. Et puis, bah, comme d'habitude, on se retrouve d'ici quelques jours pour moi et d'ici quelques secondes pour toi. A tout de suite. Je suis trop contente. Donc du coup j'ai reçu un colis. Je pense que c'est Dior, donc on va l'unboxer. Je suis trop contente. Donc aujourd'hui, pas de story time. J'ai pas eu de problème, mis à part que le facteur il commence à me reconnaître. La commande elle est arrivée assez vite, c'est arrivé je crois en 2 jours. Du coup comme vous le voyez, c'est un petit colis et j'ai juste trop hâte de le déballer. On va passer à l'unboxing. Donc j'ai tiré ça. Ça a l'air méga simple, j'adore les colis où c'est simple comme ça. Parce que moi je suis une grosse nerveuse, ça me saoule et tout. Après je me pique avec les ciseaux, c'est chiant. Bon. Je vais ouvrir à 3. Attendez, je vais mettre dans votre sens. 1, 2, 3. Oh, ça sent méga bon. Ça sent trop bon. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Là il y a l'enveloppe Dior. Mais ça sent trop bon. Pourquoi ça sent aussi bon? Ça sent une petite odeur toute douce. Mais... Ah, ça sent trop bon. J'ai envie de laisser la boîte ouverte pour parfumer ma maison, tu sais. Ça sent trop bon. Donc du coup, voilà. Je sais pas si tu vois quelque chose, mais de toute façon, je vais rapprocher. Ah oui, je voulais vous dire, quand vous voyez que je regarde genre là, c'est pas moi que je regarde. C'est si c'est bien cadré. J'ai des commentaires qui me disent, oui, tu arrêtes de te regarder. En fait, non. Je regarde juste si... Là où je regarde, là c'est mon retour. Et je regarde si l'objet il est bien cadré. Parce que sinon ça sert à rien si vous voyez pas. J'aime trop, c'est trop beau. Vous avez le Dior là avec les lettres en doré. Enfin, de toute façon j'arrête de parler. Et je vais vous rapprocher parce que ça sert à rien, vous voyez rien là. Là t'as la boîte et comme je te disais, c'est super beau. J'essaie de te montrer. Donc là c'est le haut de la boîte, t'as Dior écrit en lettres dorées. Et là, t'as ce que j'ai acheté, donc ce que tu vas gagner. Et la boîte sent vraiment méga bon. C'est un truc de ouf, c'est... Waouh, ça sent beaucoup trop bon. On va déjà regarder ce qu'il y a dans l'enveloppe. Ah ok, elle est accrochée. Ok. Oh, c'est écrit à la main. Ah non, c'est pas écrit à la main. On aurait dit, mais c'est pas écrit à la main. Là, ce qu'il y avait dans l'enveloppe, c'est le petit mot que j'ai écrit. Donc ça, c'est le mot que tu recevras si c'est toi qui gagne le concours. Je vous avoue, je suis jamais inspirée pour les mots. S'il les faut, je rajouterai des petits trucs à la main, genre pour le personnaliser avec le nom du gagnant et tout et tout. Dans l'enveloppe, t'avais aussi ce mot-là. Et franchement, c'est trop beau. La police, on aurait vraiment dit que c'est écrit à la main. Mais plus je regarde et j'ai l'impression que vraiment c'est imprimé. Mais ça te met le doute tellement c'est beau en fait. Là, comme tu le vois, t'as le paquet et je vais donc passer au déballage. Mais regarde-moi comment c'est magnifique. T'as le Dior ici en lettres dorées, t'as les rubans, waouh, c'est tout doux en plus, c'est trop beau. Et tout le paquet sent hyper bon, donc waouh, c'est juste trop beau. Donc maintenant on va passer à l'unboxing, j'ai trop hâte de te montrer ce que j'ai pris. Waouh, trop beau. Et là si tu regardes bien les détails, tu vois en fait que la boîte elle est faite comme du cuir grainé. En fait, le cuir grainé, c'est ce qu'on retrouve sur la majorité des sacs de luxe. C'est magnifique. Les finitions, tu le vois ici. Oh, la boîte est vraiment trop belle. Je vais l'ouvrir et attention. Et c'est un carnet, une fois de plus. À nouveau un carnet. Mais regarde comment il est magnifique. Sincèrement, je trouve... magnifique. Bon, du coup je vais dézoomer et puis je vais t'expliquer comment je me retrouve avec un carnet. Voilà, comme tu l'as compris, j'ai reçu un carnet Dior et figure-toi que ce minuscule carnet Dior m'a fait 40 €. C'est énorme. Mais après ça se voit que le carnet il est assez dur. Je crois que je vais l'ouvrir quand même, comme ça je vais pouvoir au moins voir la qualité. Du coup je l'ai ouvert et sincèrement, donc là je vais pas trop ouvrir les pages et tout, je pense que vous voyez, pour pas le déformer. La marque de luxe ok, mais vendre un carnet comme ça, les pages sont dorées et tout, enfin pour le coup je vois pas l'intérêt. Autant le guide touristique par exemple de chez Louis Vuitton, il est à 33 € et tu fais la comparaison, t'as des bonnes adresses, c'est plutôt mignon, tu rajoutes un petit cadeau avec et ça fait un beau cadeau. Or là,
Je suis d'accord, hein, c'est super mignon, il y a pas de problème. Mais c'est du carton quoi, un petit peu d'eau et c'est fini. Après tu remarqueras que j'ai fini par prendre un objet avec le motif du t-shirt que je t'ai montré pendant la vidéo. Le Dior, il est en relief, donc quand tu touches, tu le sens. Voilà, il est joli quoi, c'est un joli carnet, ça peut être un joli cadeau. Mais 40€, je trouve que c'est quand même énorme. En tout cas, voilà, ça reste franchement quand même un très très joli produit. Et le gagnant va bien sûr recevoir le produit emballé comme je l'ai reçu, tout beau. Donc si tu veux faire un petit cadeau pour la fête des mères, bah, je trouve que ça peut être parfait. Mais c'est quand même un super joli produit, vraiment. Si tu veux mettre 40€ dans un produit Dior, bon bah voilà, tu sais que l'article moins cher du site internet, mis à part les produits cosmétiques, c'est ce petit carnet. Bon bah écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like pour me soutenir et pour que je puisse continuer cette série. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne et à me suivre sur Instagram. Aujourd'hui je fais une dédicace à Linilou, mais Linilou, waouh, ton commentaire il m'a trop touchée en fait. Viens qui tourne, viens meilleur pote. Non mais franchement merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Je fais aussi une dédicace à Elisa Castra. Coucou Elisa, bah voilà, t'as ta dédicace. Merci beaucoup pour ton commentaire et puis de soutenir mes vidéos. Gros bisous. Je fais aussi une dédicace à Emma Técher ou Técher. Eh ben ma chère Emma, tu vois, tu dis que t'as pas beaucoup de chance. Voilà, voilà ta dédicace. Je te souhaite une bonne semaine. Et puis merci beaucoup de regarder mes vidéos. Et si toi aussi tu veux faire partie des abonnés du jour, t'as qu'à commenter juste en bas, t'abonner à ma chaîne, activer la cloche pour avoir une notification. Et moi la semaine prochaine, je choisirai 3 personnes et je leur ferai un petit coucou à la fin de ma vidéo. Je te fais plein de gros bisous. Merci de me soutenir. N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, à me suivre sur Instagram, à t'abonner à la chaîne. Et moi je te fais plein de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.